Moi, je suis l'ange Bouffareau. Ils m'ont appelé comme ça à cause des grosses joues que j'ai fini par attraper à force de jouer de la trompette chaque fois que le bon Dieu est content. Et cette nuit-là, jamais il avait été aussi content de sa vie, le bon Dieu. Il allait être papa d'un instant à l'autre. Et jamais j'avais soufflé aussi fort dans mon instrument. Mais il vaut mieux que je m'arrête. Je vais finir par me faire éclater les poumons. Et ce serait dommage. J'ai tellement de belles choses à vous raconter. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Parce que de l'endroit où j'étais, c'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre. Tout d'un coup, le Mistral s'est déchaîné. Un Mistral a décorné tous les taureaux de Camargue, a déraciné les oliviers de Croc et les pins des Alpilles. Et tous les habitants de Bethléem s'étaient mis au lit de bonheur et avaient ramené leurs couvertures sur les oreilles pour ne pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé tous les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il avait fait la toilette du ciel. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça avait rafraîchi la température. J'avais juste mes ailes pour me tenir chaud. Je risquais la bronchite, les engelures, et que mes lèvres restent collées pour toujours à l'embouchure de ma trompette. J'espinchais de tous les côtés, ils étaient en retard sur l'horaire. Enfin, je les ai aperçus, les pauvres. Ils faisaient peine à voir. Saint-Joseph marchait le premier, la barbe secouée par le Mistral comme une bannière. Il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules de charpentier. Et de temps en temps, il se retournait et il disait « Alors, ma belle ?»« Je n'en peux plus !» Encore un petit effort. Je vois un cabanon, là, tout près. Personne ne veut de nous. Les riches, peut-être. Mais ici, ce sont des pauvres. Ils nous feront bien une petite place. Donne-moi ton bras. Mon Dieu. Mon Dieu, que j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. Quelle misère. Nous sommes propres, vaille. Pas d'argent, pas de maison. Et une femme qui va accoucher en pleine nuit et par un temps pareil, n'aie pas peur. Attends, je vais te porter. Je te demande pardon de te causer tant de soucis. Je suis sûr que ça s'arrangera. Mais quand même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. Quand je t'ai épousée, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes ? Écoute-moi bien, ma belle. Qu'est-ce que je suis, moi ? Un pauvre rien du tout. Et le bon Dieu m'a donné le droit de te prendre par la main, de te porter dans mes bras, toi, la mère de son petit, et tu voudrais que je regrette quelque chose? Mais un bonheur comme ça, je ne l'avais pas mérité. Seulement, qu'il nous aide un peu, le bon Dieu. Autrement, nous allons à la catastrophe. Et il y aura des gens pour dire que c'est de ma faute. Attends, bouge pas. Nous sommes arrivés. Y a quelqu'un ? Ils dorment, les pauvres. Ça m'ennuie de les réveiller, mais je ne peux pas faire autrement. Vous avez entendu Saint-Joseph, il n'y a pas plus barbe que cet homme. Et même quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, c'était que des bêtes, mais elles avaient travaillé toute la journée et elles avaient le droit de dormir comme tout le monde. Alors il leur a dit « Excusez-moi de vous déranger. » Le bœuf et l'âne qu'on avait tiré du premier sommeil ont failli se mettre en colère. Mais quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge, toute pâle, toute mourante, et Saint-Joseph avec ses grosses mains rouges et calleuses de travailleurs, ils ont eu honte et ils sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Ne restez pas dehors, venez vite au chaud.
Vous avez de la chance. Juste, on a changé la paille ce matin. Si on avait su que vous veniez, on aurait mis un peu d'ordre. Saint-Joseph avait l'âme si simple qu'il ne s'était pas étonné que les animaux parlent avec accent. Et puis, il avait trop de soucis en tête pour attacher de l'importance à ces détails. Parce que la Sainte Vierge, elle, venait d'entrer dans les douleurs. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas. Moi non plus. Je suis qu'un âne. On voudrait bien pouvoir vous aider, mais on est bon à rien. Mon Dieu, donnez-moi vite un coup de main. Avec ces 200 tonnes, comment voulez-vous que je m'en tire? Il était presque minuit. Je me suis approché du fenestron. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça paraît pas croyable. Et pourtant, c'est la franche vérité. Le bœuf a dit... Puisqu'on ne peut pas se rendre utile, on pourrait toujours dire une prière. Tu en sais, toi, des prières? Moi, non. Mais Saint-Joseph, forcément, il doit en savoir. Écoutez-les, ces fadas. Les prières, elles ne sont pas encore inventées. C'est justement pour ça que le petit, il doit venir sur la terre. En attendant, on pourrait toujours se mettre à genoux. Parfaitement. C'est comme ça que les choses se sont passées. Saint-Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Il était minuit juste et le petit est né. Il n'a pas poussé un cri. Il est né avec le sourire. La Sainte Vierge, elle sourit aussi. Saint-Joseph, le bœuf et l'âne, eux, ils poussaient des larmes grosses comme des olives. Alors Saint-Joseph a dit des mots qui lui venaient du fond du cœur et que personne ne lui avait jamais appris. Et le bœuf et l'âne, qui était encore moins savant que lui, il répondait à tour de rôle. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. »« Le Seigneur est avec vous. »« Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » »« Et le petit Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. »« Sainte Marie, bonne Mère de Dieu. »« Priez pour nous, pauvres pécheurs. »« Maintenant et à l'heure de notre mort. » »« Ainsi soit-il. »